Jésus est venu appeler à la repentance le péché. Il y a un peu de temps pour que le péché à la repentance, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous devons dire ma lampe pour moi, que Jésus est venu dans le monde pour sauver le péché. Il y a un peu de temps pour que Si j'ai donné Jésus sur la terre devait faire ce que son père lui a dicté. Et c'est là que tout ce qui est joué. Il y a de ces grâces à la haute tata, Tindaki, qu'on dicte. Ou à commandant qui a ça. Ou à l'issé qui a ça. À tout n'a qui volonté la démarrer, ce que le Père lui a dicté. Ou à paix, ce qui est mission, Yamoussa. Le portion de ce verset renferme l'idée que, l'idée du sujet donné. Sujet donné, Jésus sur la terre devait faire ce que le Père lui avait, son Père lui avait dicté. Sujétion. Pour le sujet que, Pour le sujet qui nous est donné, nous allons nous appuyer sur le verbe dicter. La sujet au Torobela, Togoti Kalami Kolobero et Tali Kamwa, dicté au. Dicté de nous de ça qu'a dicté. Hein? Parce qu'il y a dicté, il y a dicté français. Hein? Tomba le bon Rikolo, Manosani. Malobi. Dicté au bas le mêlé à couper sa ordre. Hein? On a obligé à ça là. Les tourbés là. Aux amis? Exemple, si j'ai donné. Jésus sur la terre devait faire ce que son père lui a dicté. Jean 12, 49. On a la Bible au temps de la mission. On va aller. Le père m'a prescrit des loups. De faire, je dois faire et annoncer où se trouve l'idée de dicter. C'est autant la version de Jean 12, 49. L'idée principale, le Père m'a prescrit. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible, a dit. Hein? Jean chapitre 12, parallèle. Jean chapitre 12, parallèle. Totalement nos Jésus-Christ. Car mes paroles ne viennent pas de moi. Mais le Père qui m'a envoyé, il m'a commandé lui-même ce que je dois dire, ce dont je dois parler. Il m'a commandé, d'autres versions m'ont commandé, il m'a dicté. Donc il m'a commandé. Commander, c'est obliger quelqu'un. Commander, donc tout n'a eu permission n'a été. Et Jésus a fait ce que le Père a dit. Et le Père n'a pas demandé la volonté de Jésus. Ah, Jésus comme un fils. Sujet de Jésus sur la terre devait faire ce que le Père lui a dicté. Les choses que j'ai dit, je le dis comme le Père me l'a dicté. C'est-à-dire que qu'on dictait, c'est qu'on répétait au nous ma tidioloba. Au toba maloba enzambi, qu'on loba le col et comama. Comme il y a un message, voilà. Est-ce que c'est clair? Qu'on dicte, c'est dans notre version du second révisé, commander. Ce que le Père m'a commandé. Ce que le Père m'a obligé. Au data d'Ilingana Luba, ton assal. Est-ce que vous avez dit? Maintenant, étudions le verset suivant. Jésus sur la terre devait faire ce que son Père lui a dicté, ou bien selon la version du second. Jean 12, 49, jusqu'à tout à l'heure.
car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. C'est-à-dire que nous devons dire que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc, bibliquement, Dieu a des fils. Si tu es père, tu ne vas avoir de fils. Hein? Quelle est l'idée principale sur ce verset? Où se trouve l'idée de dicter? Le chose que je le dis comme le Père me l'a dit. C'est une cause. Et on va faire comme ça, comme ça. Salamon ne va pas dire ça. L'idée principale est à dicter, ou bien dans d'autres versions, à commander ce que le Père m'a commandé. Mais pour appliquer des problèmes, écoutez, tout le monde vient à l'église. Tu vois, par exemple, tu as la période croyance, c'est dans ma case, christianisme, dans ma case, oui, c'est vrai. Mais maintenant, il va donc pratiquer parole. Qui exerce, qui met en pratique l'innovation? Qui sont de vrais chrétiens? Qui sont des chrétiens authentiques? Autant ma copie, ça va vos confiance. Est-ce que tu m'envoies d'ailleurs? Jean 8, plutôt Jean